ArcelorMittal, une compagnie minière située sur la Côte-Nord depuis déjà quelques années. Ici à l'usine, nous faisons de la boulette d'affaires. Si moi, je suis contremaître mécanique, en supervision des travaux mécaniques, l'entretien, tout ce qui est composant des équipements pour la transformation du minerai de fer en boulette, que ce soit les 10 d'agglomération ou les convoyeurs de manutention de minerais. Les travailleurs, veux dire, cette gang de mécaniciens-là, ont beaucoup de pièces à transporter, dont des rouleaux, des poulies de queue. Ben avant ça, on utilisait des chariots qu'on poussait manuellement avec des charges assez lourdes dessus, que ce soit des rouleaux ou des poulies. Puis on pousse ça à travers les étages, il y a des pentes, puis tout ça, ça exigeait beaucoup d'efforts. On venait d'avoir le transpalette électrique, on va dire, puis on s'en servait seulement pour amener des palettes sur des palettes de bois. Je me suis dit que ça pouvait servir à transporter d'autres choses que juste une palette de bois. Quand Bobby est arrivé avec cette idée-là, il est venu m'en parler. Il dit « j'aurais une bonne idée pour pouvoir aider pour les manipulations ». J'ai donné le feu vert, j'ai dit « va part avec tes idées, va voir notre soudeur, Marc-Antoine, puis on va aller en fabrication pour ça ». Bien, j'ai fait la fabrication, puis quand on a fabriqué le chariot en partant, bien, on a eu plusieurs petites idées au fil de la fabrication, fait qu'on a apporté un peu toutes nos idées. Bien, dans le fond, on part avec la base qui est une plateforme. On a des anneaux qu'on peut attacher le matériel dessus. Par la suite, on a des ridelles pour servir un peu comme une boîte fermée. Ensuite, on a fait un rack surélevé. Puis on peut mettre du matériel comme sur le dessus, on peut tout attacher ça ensemble. Ça, ben on est capable, une seule personne est capable de faire ce travail-là. C'est une chose qu'on s'est mis à utiliser à chaque jour, dans tout ce qu'on faisait, on s'est mis à l'utiliser, puis les gars font tout faire tout. Fait que l'idée est bien simple, puis c'est facilement exploitable partout. C'est un plus de laisser les gens s'exprimer dans leurs pensées. Puis j'admire, moi, les gens qui ont des idées ou qui trouvent des problèmes et qui arrivent avec des solutions. C'est plaisant de voir qu'on peut, juste avec une petite idée qui vient de même, de diminuer les risques d'efforts et de blessures. Le plus important, c'est pas ce que nous avons fait, mais c'est ce qui reste à faire. Il faut continuer à avancer. La santé et la sécurité, ça n'a pas de couleur de chapeau. Puis on est tous ici pour gagner notre vie, puis nous, on la perd. C'est des collègues de travail, c'est des amis. Mon but, c'est de prendre soin d'eux aussi.